Ils me sont affoulés. Ils se sont endormis totalement, les Ivoiriens. Incroyable. Cette remise totalement ratée, cette remise de Tchouté, qu'il paye cash. Ils ne se rendent pas compte. Ils sont en train de déjouer totalement les Ivoiriens. Ils perdent le football. Regardez, ils sont en possession du ballon sur cette passe tranquille pour la tuer. Tchouté se trouve totalement. Et derrière. Ah oui, mais il est vraiment facile, ça, Marinis n'a plus qu'à crucifier Barry Copa, hein, qui est totalement abandonné là, par ses partenaires, il ne peut strictement rien. Il a perdu le dernier moment quasiment pour pouvoir plonger, mais non. Et avec quelle frustration. Hergrès qui se remet à marquer en phase finale de Coupe du Monde, encore une fois, c'est en face d'une sélection africaine.
Bonsoir, nous sommes à la fin de la rencontre Côte d'Ivoire-Grèce. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a perdu. On fait trop mal même. C'est dû à quoi? Qui n'est pas sorti trop quoi? Trop mal, la question est qu'elle a fait. C'est dû de la partie, on a perdu. Mon ami, on vient de perdre 2-1 face à la Grèce. Nous sommes éliminés. Qu'est-ce que tu peux dire de cette rencontre? Bon, je pense que vraiment, la Côte d'Ivoire n'a pas encore eu un entraîneur. Parce que je ne peux pas admettre que, à 10 minutes de la fin d'un match, deux attaquants qui passent une défense, qui font sortir les deux attaquants à la fois, pour mettre deux points. Et puis il faut dire aussi que vraiment, l'Afrique reste sur l'Afrique, parce que l'arbitrage était très mauvais. Et toi, qu'est-ce que tu penses de cette défaite? Moi, franchement, je suis un peu dépassé. Je suis mine de rien. Il y a certains propos qu'on m'a dit qui ne vont pas sortir à la télévision. Non, dis tout. Nous, on fait sortir tout. Nous, on émet tout. On dit tout. Ok, il y a fort. Vraiment, la mouchi, ce n'est pas un entraîneur. C'est même pas un entraîneur parce que vraiment, nous a déçu. On est là, on est tout. Nous, qu'est-ce qu'on demande? Nous, on demande la joie. Nous, quand même, la joie de nos pères. C'est l'argent et gagne, nous avec la joie seulement. Mais nous empêche d'être heureux. Franchement dit, cette sélection-là, vaut mieux qu'il parte. On a besoin d'une autre sélection. Terminé. Pourquoi un petit drogue un jour, Seigneur? Il a fait quoi? Il a fait quoi? Il faut dire, donc, j'ai vu les gars, je l'ai mis aussi, merci à nous, on le tue. Les autres grandes équipes là, malgré que les stars sont malades, ils les appellent pour venir jouer. Moi qui n'ai pas encore fini, il faut sortir les deux stars. Les deux stars sont influents, ils sont influents. Le fait que Didier Drogba j'ai vu le sang sortir là. Les Grèces, ils ont eu confiance. Ils étaient en confiance. Voilà la suite. C'est la butte qui nous a tués dans le match. C'est la butte. Pas les remplaçants, c'est les arbitres qui nous ont tués. C'est les arbitres qui nous ont tués. Ils ne valent rien, c'est tout, ils ne valent rien. Voilà, regarde ça, c'est tout. Ils ne valent rien. L'entraîneur a zaillé. C'était pas comme ça. À la fin du jeu, tu parles. Le mec, c'est l'entraîneur qui nous a tués. L'entraîneur qui nous a tués. Tu nous as tués. Pourquoi entraîneur. Que vous avez découvert Ivoire TV.